là. Oh bah. Belle bête, hein. Ça va? Bonjour Pierre. Bonjour Monsieur Lévy. Instagram? Instagram. Eh voilà, Instagram. Instagram. Merci. C'est pourquoi? Vous savez pourquoi Instagram? Parce que là, tout le mois d'août, là, on va pas poster de vidéo. Enfin, peut-être une en fin du mois d'août, mais bref, on ne sait pas encore. Voilà. Donc a priori, vu que vous auriez pas de nouvelles autrement que par Instagram en août de nous, pas si les mots étaient dans le bon ordre pour la phrase, mais... On a compris. Vous avez compris l'idée. Globalement, coup, eh ben... on va pas faire de vidéo sur YouTube, mais on sera sur Instagram. Voilà. C'était l'info. Ouais. Ah, T-Max en Y là, soyez-vous là. Aujourd'hui, nous sommes chez Autosécurité à Montesson. Pourquoi nous sommes là? Autosécurité. Voilà. Vous nous avez demandé, mais un nombre de fois, de passer ce multiplat au contrôle technique et il tombe bien. On est où? Eh ben dans un contrôle technique. Eh ben voilà. Donc aujourd'hui, on va passer cette voiture au contrôle technique. On a demandé à Kevin, qui est le boss de Autosécurité à Montesson, de passer la voiture au contrôle de la façon la plus stricte qui soit. C'est-à-dire, attention, il n'y a pas de copinage, il n'y a rien. Un défaut, une ligne, point barre. Et on va tenter de battre le record. À moi, à mon avis, c'est double page minimum. Je vois bien la double page. On vise la 3. Avant de commencer, pensez à vous abonner à la chaîne, c'est très important. Et pensez au pouce bleu si la vidéo vous plaît. Voilà, vous le mettez quand vous voulez, vous le mettez maintenant, vous le mettez plus tard. Vous pouvez même quitter la vidéo, puis revenir plus tard. Voilà, pour remettre un pouce bleu. Voilà. Partager, ça fait plaisir ça. Bah ouais. Putain, partager. On y va. Ça, c'est incroyable qu'il termine dans la fosse. Ouais. Waouh. Oh là. Ça, c'est la marche arrière qui est... Alors, là nous contrôlons le ripage des essieux. Donc ça va être très impressionnant, ça va secouer partout à l'avant, voilà. Ah, ça c'est bien, il faut prendre ça. Regarde, c'est très visuel. Attention, il y a une réglette au sol ici, et il y a un énorme trou là. Oh. Alors là, ça tourne. Ouais. Là, ça tourne bien. Ça fait des bruits, je sais pas si c'est les roues. Ah, oh. Ça freine. Ah, bon. Moi je... Merde. Ok. Il y a des chiffres à la bande, c'est pas ce que ça veut dire. Voilà. Ça... C'est rouge. Mais... C'est que c'est pas bon. Pourquoi c'est rouge en entier depuis tout à l'heure, il y a que ça. Ouais, ouais, ça fait pas assez. Ah, ça va, ça s'est vermi. Ah. Ah, ouah. Ça, c'était la marche arrière. Les jantes habitent secouent. Les jantes habitent secouent. Alors là, on contrôle le ripage des essieux, c'est-à-dire on secoue le tout pour voir l'angle de ripage des roues, c'est-à-dire si c'est pas trop ouvert, pas trop fermé, c'est chiant. Il y a beaucoup de complexité. Et là, vu que c'est une propulsion, on va vérifier si... Évidemment. Donc vu que c'est une propulsion arrière, hein, intégrale sur l'ensemble des roues arrière... Parce que propulsion avant, c'est différent. Oui, c'est pas pareil. Propulsion avant, c'est vraiment pas pareil. Faut savoir. Donc là, on voit que les roues tournent et que les roues freinent de temps en temps. C'est pas rouge, moi j'ai vu que c'était pas rouge surtout. C'est vrai. Donc là, on confirme, les roues du multiplat tournent. Ce qui est pas mal, le multiplat roule. Là, c'est rouge là-bas. C'est un métier à risque que tu fais quand même, hein. Ouais. Parce que là, ça fait vraiment peur là pour le coup. Ok. Là, c'est pour se regarder, pour voir vraiment à quel point le multiplat est moche. Ouais. Vraiment, là, on est tac. C'est la gerbe. Voilà. Là, tu peux voir. Vérifiez bien, votre bagnole est dégueu. Ce miroir a une utilité. Ouais. Ah, c'est pour contrôler toi-même dans la voiture si les phares fonctionnent. Voilà. J'en ai un autre de l'autre côté, comme surtout pour voir où je suis, je dois me situer. D'accord. Pour voir au travers dans le temps. Le klaxon fonctionne, ça paraît pas comme ça, mais le klaxon marche. En fait, c'est les portes qui sont là. Voilà. Mais le klaxon marche. Après, je vais chercher les autres boutons, parce que je vois que c'est quoi. Non. Moi, ça c'est un bon point parce que je tiens à dire que c'est moi qui l'ai gardé, le réglage des feux. Hein. C'est important, c'est obligatoire. Voilà. Tu vois, grâce à moi. Oh, grâce à toi, on a gagné une ligne. Yes. Putain, je savais pas que c'était obligatoire. Ouais. Oh bah merde. Ah bah bravo, bien. Je suis sûr que tu l'as fait. Évidemment, en de cause. Mais je le savais. Ouais, évidemment, il s'est dit. Le contrôle technique, ça pour le jour où on passera le contrôle technique, ça marche. Eh bah oui. Ah, oui, oui, tu es en train de débrayer à fond. Et oui, ça recule quand même. Voilà. Yes. C'est toi, gars. Hein, on l'a vu, là. Le problème. Ah, le compartiment moteur, peut-être. Ah, là, voilà. Cherche, à côté du coffre. Là. Est-ce que si t'arrives pas à ouvrir le capot, ça rend caduque les mesures? Ouais, si tu dois accéder à la numéro de série et tout, c'est mort. Pierre, t'as gardé l'ouverture du capot? Ah bah oui. Pourtant, je suis censé le connaître. Alors oui, il y a une procédure extrême. Ah. C'est en double ouverture en fait. C'est-à-dire que t'as... ouais, et ensuite il faut... Voilà. Et c'est du vérin. Véhicule de prestige. Non. Il y a peut-être une fuite dans le passé. Puis
c'est tout. Ça va que c'est quelqu'un qui nous connaît. Oui. Parce que là, ça serait quelqu'un qui ne nous connaîtrait pas. On va en terminer en garde à vue. Hein. Ah, directement. Directement. Ça s'appelle les flics instantanément, je crois. Contrôle technique, on sort pas vivant. Non. Bonjour, venez les chercher. Ah ouais, mais d'ailleurs, faut que ce soit le titre de la vidéo. On passe le contrôle technique, on finit en garde à vue. Allez, viens, on regarde ce type de vidéo. Allez, moi, je suis chaud. On passe le contrôle technique, on finit en garde à vue. Attends, tu contrôles la tension de la batterie? Là, ça va un peu court, hein. Ah. Oh putain, c'est devenu moderne. C'est beau. Sur la batterie, on a direct... C'est devenu dingue. Oh, ça peut aller... Nombre de cylindres, ça peut aller jusqu'à 12. Et ouais, quand t'as une Bugatti Veyron... On peut tenter de mettre 4, là. Ouais, bon, ça va aller, vraiment. Et quand t'as une Bugatti Veyron, 16 cylindres. Ah, ouais, c'est vrai que c'est... Ah, ouais. Tu dois bien passer le CT. Hein? Eh ben oui. C'est une vraie question, c'est vrai que j'en ai jamais fait. C'est vrai, ça. Je vais mettre 12 ans. Ah, merde. Directement. Direct. Techniquement, c'est V8. Hein. Bah, c'est, oui. Ah oui, c'est vrai, merde, c'est vrai. C'est V8. Hein. Moi, je suis désolé, mais c'est 8 cylindres. Hein. On va prendre la température de la bête. Hein. Ah bah. Vu que c'est un énorme V8, je pense que c'est que 500 000 degrés, un truc comme ça. Oh là là. Alors là. Là, on attaque le truc qui fait pas plaisir. Hein. Yes. Ah, tu cherches la vraie sortie peut-être. Même nous, on sait plus où aller. Et c'est là où notre ingéniosité est magnifique. On empêche les gens d'ouvrir le capot. On empêche les gens d'insérer la sonde. S'ils peuvent pas insérer la sonde, ils peuvent pas mesurer. Tu sais que là, il le sait pas encore, mais il a déjà un cancer en phase terminale. Hein. Oui, oui. Là, on est actuellement sur un début de cancer. Désolé d'ailleurs, hein, pour le cancer que tu vas avoir en partant d'ici. Accélération numéro 1. Accélération, c'est mardi. Alors le multiplane ne sortira pas vivant d'ici, ça c'est sûr. Mais on n'est pas si mal que ça. C'est vrai? Ah ouais. Je savais que c'était un bon véhicule. 150 chevaux, attention. Hein. 100. Ça sent, là tout de suite, la caisse tremble. Ah ouais, c'est violent. Hein. Moi je dis que ça s'affiche en vert, je sais pas si c'est représentatif. C'est un scandale. Bon bruit sport. Hein. Que ce soit vert, c'est un scandale. Parce que ouais. Moi mon nez déjà, là mon nez me dit que c'est pas vert déjà. Rien que ce que je sens là. Le nez, on est violet foncé. Yes, véhicule conforme. Oh, putain. Et bam, sans tricher. Et ouais, c'est le but qui plat. Moi, je glisse un mot au ministre de l'écologie. Ouais, démissionne, frérot. Ouais, parce que si ce véhicule passe et il est bon, c'est pas bon, hein, c'est là... sûr. C'est un scandale, mais dans notre défi, ça fait quand même des lignes en moins, toutes ces conneries. Pour nous, c'est pas bon. Pour l'environnement, c'est pas bon. Mais pour le contrôle technique du multiplat, c'est bon. Alors, tiens, celui qui est pété de l'autre côté, est-ce qu'il marche encore? Oh là, ah putain, il marche ton truc. Bien sûr qu'il marche, j'ai pas pété l'ampoule, j'ai juste pété la petite vitre. Ah, et ben. Ça fonctionne. Est-ce que c'est légal d'avoir un peu de scotch sur le... C'est... En fait, le capot se marre et du coup, s'il n'y a pas de scotch, il y a l'ampoule. Ouais, pas trop. Ça fait une petite ligne. Ah, putain, bon. Ça... Ah là 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 là. Alors, la pression, ça fait 6 mois que ça n'a pas été fait. Comme tout bon conducteur qui se respecte, oui. Ne faites jamais vos pressions, évidemment. Hein. Ne jamais faire les pressions, règle numéro 1 de l'enculé. Voilà, ça sert à rien de faire les pressions. Et tu vas voir que les pressions vont être bonnes. Parce que le multiplat est un véhicule formidable. Ah bah oui, ça fait un dessin animé quand ça tourne. Alors on vérifie les feux là. Ouais, alors ça s'appelle un réglomètre. Ça permet de régler l'inclinaison des phares. Est-ce que c'est une ligne de recalage au contrôle technique? Ah ouais. Ah. Ça, on se positionne. Hein. Ouais. Il dit tout, hein, on a rien à faire. Là, vraiment c'est une escroquerie. Hein. Putain, c'est génial. Est-ce que ça me rappellerait pas, tu sais, les appareils à diapositives quand exactement. On était gamin. Là, j'ai l'impression que c'est un diapo de cours de physique. Ouais. Je cale la feuille là. Tu sais, il y avait le. Et ça projette droit sur le tableau. Mais ils te disent quoi du coup dedans? Enfin, ils te disent quoi? Le truc est bien droit en gros, c'est ça que ça dit? Ouais. Ça tire bien droit quoi. En tout cas, là, c'est pas bien droit. Bon, si ça l'était, ça te dirait. Voilà. Eh ben, ça marche. Ça te dirait pas d'autre chose sinon, c'est l'intensité lumineuse. D'accord. Ah oui, si c'est identique à droite ou à gauche, quoi, par exemple. Ouais. Ah. Regarde un petit peu les pneus. Ah. T'es sûr? Sinon, on peut aller te payer un café là-bas et on n'est pas obligé de regarder. Moi, ça m'a régalé, quoi. J'avais un Pokémon Airbag qui s'allume. Mais. Ah. Oh, Pokémon Airbag fonctionne.
C'est vrai que le témoin fonctionne au moins, c'est vrai. Bon, Kevin, pour ce problème d'airbag, on peut peut-être... voilà, on n'en parle plus, hein? On va arrêter de filmer, là. Ouais. Alors, est-ce que t'es obligé de contrôler les ceintures à l'arrière? Ouais. Merde. Non, en vrai, ça sauve la vie. Eh, on a même deux klaxons, hein. Un klaxon de secours au cas où, hein. Ça, j'espère que ça fait des points en plus, hein. Les plafonniers fonctionnent. Faut appuyer, voilà. Ah, fait une ligne de moins, hein, ça, hein. Il n'y a pas grand-chose à contrôler. Qu'est-ce qui fonctionne? Le spoiler arrière fonctionne. Ouais. C'est toujours là. Il plaque bien. Ça, normalement, il n'y a pas de problème. Petit aileron. En fait, l'air est guidé grâce à l'aileron de requin qui l'amène vraiment directement, tac, dans le... Ça multiplie, du coup, je crois. Ouais, c'est ça. Physiquement parlant. Bah, en fait, ça part du carbone du capot. On a dit fois, je sais plus combien, mais j'avais les infos. Hein. 14,67 fois. Il se trouve que nous passons ce contrôle technique après le 1er juillet, donc il y a eu la canicule. Donc, il y a voilà, la guirlandesque, hein, évidemment, parce que le scotch a fondu. Voilà. Kevin, peux-tu nous faire un tout petit topo sur les règles qui ont changé au 1er juillet? Les normes se sont durcies sur les véhicules diesel. Hein. Ok. Et du coup, c'était censé éliminer toutes ces voitures-là. Ah. On n'y arrive pas. La preuve que non. Ah, les gens nous demandent beaucoup aussi, nous demandent si on a un Tipeee. Oui, on a un Tipeee, hein, mais on n'en parle jamais parce qu'on n'aime pas faire les forceurs. Et pour ceux qui n'auraient pas d'argent mais qui veulent participer quand même, on a un Utip. Utip, c'est une plateforme où tu regardes des pubs et ça nous donne des centimes. Alors, il faut regarder beaucoup, beaucoup, beaucoup de pubs pour que ça nous donne des centimes. Mais si vous y mettez à plein, eh ben, ça fait plein d'argent. Ça nous aide. On a remis le feu stop arrière, c'est important s'il te plaît, hein, ouais, faut le noter. Tu noteras, voilà. Hein, le feu stop. Ah, oui. Il est là quand même. Ouais, il est là. Ouais. Il va rien laisser passer. Oula. Liquide là. Oui, on avait. Ah, il y en a devant. Et pas derrière. Ah, si. Wow. Attends, ça coule dans. Ça coule chez toi là. Ça marche. Alors, c'est bien ça. Ça fonctionne encore. Ça a sorti là et c'est arrivé en bas. Voilà, mais ça désolé, fonctionne. Désolé. Hein. Et là, nous, quand on va au contrôle technique, on déglingue le centre de contrôle technique. Touche pas trop, s'il te plaît, Kevin. Non. Voilà. Jamais personne n'aura licence à contrôle technique, t'sais. Touche pas trop, s'il te plaît. STP. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas pour tester les supports moteurs, ça? Oh, c'est un levier pour faire tester les jeux. D'accord. Il y a un peu de la rouille, tout le monde. Alors là, il y a quelques points de rouille, là, juste au niveau du vitre arrière. Oh putain. Du coup, c'est un peu chiant. Il y a partout. Quelques. Ça, par contre, c'est un peu plus grave, c'est un silon bloc à l'arrière, ça. Qui a un peu pris. Ouais, il a pris un peu tarif, ouais. Voilà, il a pris un peu tarif. On a quelques points de corrosion au niveau des soubassements. Quelques points. Waouh, la fixation du réservoir. Ça a un peu pris aussi. Imagine, on ressort du contrôle technique plus performant qu'au début parce qu'on a enlevé la ligne d'échappement et qu'on a gagné encore des kilos. Moi, ouais, je suis sûr que ça a marché. Ça aura jamais été fait. On gagne des performances en sortant du contrôle technique. Alors là, ça teste le jeu à l'avant. Et là, par contre, c'est pas bon parce que les roulements à l'avant sont foirés de chez foirés. Bon, les roulements, ils sont cuits de chez cuits. Hein. Est-ce que je fais une bonne tête, là? Ça, c'est la tête de n'importe qui passe au contrôle avec un multiplat pas en règle. Est-ce que pendant qu'il est en train de secouer la voiture, si je la retiens, ça fera moins de jeu? Bloquer le volant. Pour pas qu'il y ait trop de jeu. Non, il n'y a pas de jeu. Il n'y a pas tant que ça, hein. Yes. Franchement, pour une italienne, c'est pas mal, hein. Un peu de corrosion, un peu de fuite d'huile, mais c'est normal. Ah bah bien sûr que c'est beau. Alors les vrais tambours... Hein. Ah bah les tambours sport sont rouges, évidemment, tu le sais. Hein. Ouais. Tambour Brembo, hein. Ouais. Donc là, ça contrôle bien, là. Hein. Tout est contrôlé. On est en contrôlerie, là. Voilà, contrôlage, contrôlement, contrôlation. Tous les contrôles sont faits, j'ai envie de dire. Le frein à main est au bout. Oh, ça va. Le point va être fait, le point va pas être à notre avantage. Il y a peu de chance. Et l'éclairage de plaques, et les plaques. C'est vrai? Parce que je sais pas s'ils éclairent, moi. C'est allumé ou pas? Ah, il y en a un qui est allumé. Mais pas l'autre. Sur deux. Ouais, alors il y en a un qui est allumé. Il est allumé. On va parler d'un allumage mitigé, quoi. C'est, voilà, c'est un allumage... Alors... Bon, bah c'est mort. Stop. Yes. Faut stop, je vous mets aussi. J'ai un peu l'impression d'être arrêté par la police. Alors votre véhicule, carte grise, bon je vous mets, hein, les pneus. Hein, bon allez, je vous mets. Hein, la ceinture, hein. Vous aviez le téléphone, hein, voilà, bon, allez hop. Ouais, heureusement que les contrôles techniques se payent pas à la ligne. C'est un mec qui paye cher. Ouais. T'as tapé là un jour? Non.
menti, hein. T'as pas de preuves. Alors là, l'OBD, donc ça, c'est une lecture donc, de l'informatique de la voiture, de l'ordinateur de la voiture. Parce que l'ordinateur de la voiture enregistre presque tout ce qui s'est passé dans la voiture. Une boîte noire. Voilà, la boîte noire, vraiment. Donc on va voir ce que la voiture a enregistré, je pense, beaucoup de lignes. Et l'image ici, c'est donc un concept car Audi, vraisemblablement. Ah ça, c'est une multipasse. Ah, non, pas, c'est bien, en fait. Ça fait... Non, il y a... c'est un V8. Plus double échappement. Mais non, mais... Oui, mais non, mais c'est quoi la forme hein. Ouais, il y a l'avant d'une R8. Oui, il y a un truc d'R8, là. Mais il y a l'arrière d'une négative rond. Techniquement, c'est compliqué. Ah, oulala, ça nous donne de nouvelles informations. Voyant 1000. C'est quoi le voyant 1000? C'est pété. Conforme. Et ben voilà. Zéro dépôt. Le rapport est conforme. Mais non, c'est une blague. Nombre de codes erreurs. Zéro. C'est incroyable. Mais il y a l'airbag qui est allumé, putain. Il y a l'airbag en passager à la base. Oui. Non. Fallait dire non, putain. Pardon, je suis trop honnête, putain, j'arrive pas à comprendre. Mais il reste les airbags dans les sièges. Mais par contre, on peut te dire, si ça t'aide, combien pesait cet airbag? Ouais. 2,5 kg. Par airbag. En presque 20 ans, il a jamais tapé. Non. Preuve que les airbags servent à rien. Eh oui, j'ai pas compris ce que t'as dit, mais je te dis oui. Eh ben nickel. Est-ce qu'on met le temps? On va aller voir, on va sortir le rapport. Nous avons terminé le contrôle, maintenant on va sortir le rapport. On va éditer le rapport, on appelle ça le PV, donc le procès verbal de contrôle technique. On va voir ce que ça donne. Bonjour. Bonjour. Je vous en prie. Non, vous d'abord. Allez-y. Non, vous d'abord quand même. Allez-y. Bon, merci. Allez. Bonjour. Vous cherchez votre magnifique Ciclone. La voiture italienne de sport. C'est croisé ou pas? Bonjour. T'as vu comme en France c'est tout de suite agressif, dans le sens où t'as un procès verbal de contrôle technique. Procès, tout c'est suite. Un procès. Même s'il est suite, bon, ouais. C'est un procès. Directement. Bon, là, ça risque de pas être le cas, mais... Ça donne envie. Oh là là. J'ai une page. Hein. Oh, une seule page? Putain. J'ai fait le maximum. Bah, je sais bien, en plus, c'est ça qui m'emmerde. Bon, après, il y a 2-3 lignes, quand même. Il est pas neuf. Même pas de défaut critique. Vous l'avez roulé pendant 2 mois. Alors, qu'est-ce que nous avons de sympa? Il faudra, on prendra une photo peut-être, on la mettra pour les gens qui veulent. Part, hein. L'écran là, peut-être là même. Direct. Voilà, ici, là, parfait. Là. Câble de frein, câble endommagé, ça va. Orientation de feu croisement, franchement, ça va. Mauvaise fixation du feu stop. Pneumatique gravement endommagée, entaillée ou montage inadapté. Tuyau d'échappement, voici. Fuite excessive, ça c'est bien. Ça c'est bien, pour l'idée hein, finalement. Ceinture de sécurité obligatoire, manquante ou non montée à l'arrière droit, à l'arrière gauche. Bon bah à l'arrière tout court, ok. Coussin gonflable manifestement manquant. Qu'est-ce que c'est que cette dénomination? Perte de liquide, fuite excessive de liquide autre que de l'eau. Susceptible de porter atteinte à l'environnement, constituant un risque pour la sécurité de tout usager. Donc défaillance mineure, c'est ne nécessitant pas de contre-visite. Des embuages manifestement défectueux. Oui, pour le coup. Oui, le désembuage est défectueux, oui. Partiellement défectueuse, pneu usure anormale, corrosion, ça va. C'est pas si pourri que ça. Merde, hein. Merci. Il reste plus qu'à mettre la petite vignette. Ah, allez, on va prendre la route en toute sécurité. Nous avons les papiers officiels du véhicule, nous pourrons repartir de façon... Mais quand même, pas de pollution, ça reste quand même quelque chose d'exceptionnel. Là, tout de suite, il a pris de la valeur, le véhicule. C'est un plaisir, du coup, de collaborer, finalement... Ouais, c'est un plaisir de... Merci. Ça me... Tu lui as donné les thunes quand même au cas où Pour que ça passe. Oui. Merci. Alors ça sera dans le cendrier. Merci. Bon, je vais y aller. Eh bien voilà. Vous nous l'avez demandé, nous l'avons fait. Nous avons passé le multiplat au contrôle technique. Sans surprise, ça passe pas. Mais sans surprise... Si, avec surprise, bah, si. Ça passe pas si mal. Ouais. Pour ceux qui nous avaient pas rejoints sur Instagram, sachez que vous avez raté de beaux trucs. Hein, vraiment. Déjà... Pouce bleu, vous abonner et nous suivre sur Instagram pour avoir notre vie et c'est ouf. Ouais. Et ben voilà, et ben il s'agit de rentrer maintenant avec ce véhicule presque fonctionnel. Ah non.